Il est temps de s'attaquer aux classes de protagonistes moins fortes que les précédentes, en commençant par celle de Taïon, qui est la classe de tacticien. La classe de tacticien est une classe de soigneur tout comme artilleur, ayant des arts similaires puisqu'elle possède aussi un champ d'effet, mais qui est lui bien moins intéressant que celui d'artilleur. C'est le deuxième soigneur que vous obtenez au début du jeu qui permet de faire une équipe équilibrée. Comme je l'ai dit, c'est une classe similaire à artilleur, ayant pour cette classe un champ d'effet d'esquive et non d'attaque. C'est la classe de Taïon, il est de Agnus, donc classe d'Agnus, ayant des armes maîtres Keves et qui dit Agnus dit recharge en auto-attaque. C'est la recharge en auto-attaque qui rend la classe intéressante puisqu'elle se fait dépasser en soins et soutien par artilleur en début de jeu. Cependant, ses jauges de recharge sont assez petites, ce qui rend son utilisation intéressante quand il y a une notion de besoin de se soigner rapidement. Artilleur possède un soin ayant une recharge de 14 secondes, tandis que Tacticien, lui, possède un soin ayant une recharge de 4 en auto-attaque. C'est donc une classe à privilégier au début, non pas pour ses soutiens, mais pour ses soins grâce aux recharges d'Agnus. C'est évidemment une classe qui utilisera de l'éther ayant des multiplicateurs plus petits que la classe de Yuni. Il est donc important d'augmenter le soin et la vitesse de recharge pour l'optimiser au mieux et profiter d'un soigneur efficace. Le même souci que pour Artilleur est qu'elle devient vite dépassée en tant que soigneur dans le jeu. Étant donné que son champ d'effet est bien moins intéressant que celui de la dernière classe expliquée, elle devient très vite remplaçable dans l'histoire par d'autres classes qui sont d'après moi la même classe mais en mieux. Elle est donc utile surtout au début du jeu quand durant l'aventure vous ne possédez que deux soigneurs et que justement vous avez besoin de soins. Cependant il y a quand même des choses intéressantes à faire avec la classe qui peut quand même servir en tant que synergie avec d'autres classes. Par exemple avec les classes de protecteur agilité, il est possible avec tacticien de poser un champ d'effet d'augmentation d'esquive qui va s'ajouter à l'agilité de par exemple Zephyr ou Paladin Oponique. Cependant il est nécessaire de préparer les classes avec accessoires, j'aime et j'en passe, mais avant de parler de stratégie, il est temps de parler des arts de la classe en détail, comme à mon habitude, pour parler de ce qu'il est intéressant de faire avec. Le tout premier art de tacticien, qui se nomme Au Déchaîné, c'est une attaque d'éther, en cible unique, possédant un multiplicateur de 375%, qui est le plus grand de la classe, et une jauge de recharge de 3 en auto-attaque. Il inflige l'handicap défense d'éther diminuée. Du moins s'il est placé sur l'ennemi, évidemment, à cause des résistances élevées aux handicaps des adversaires. Elle possède l'une des jauges de recharge les plus petites de la classe, puisque plusieurs arts possèdent une jauge de recharge à 3. C'est l'art qui permet de faire mal pour cette classe-ci, c'est l'art que je conseille donc d'avoir parmi tous ceux ayant des handicaps, de par sa petite jauge de recharge, mais surtout de par son multiplicateur. L'handicap sera dans tous les cas difficilement applicable, surtout en difficile. Il est donc plus intéressant de prioriser l'attaque, quoi de mieux qu'avec Au Déchaîné. C'est aussi le seul art qui est lui en cible unique puisque tous les autres arts sont des effets de zone, mais son multiplicateur est trop intéressant pour être laissé de côté. Les handicaps sont inutiles, cependant en défense d'éther diminuée, si elle passe, est pratique pour cette classe qui ne fait quasiment que des attaques d'éther, c'est le meilleur handicap que peut appliquer cette classe. Le second art est Cieux Orageux. C'est un art de soin qui est en effet de zone par le lanceur, possédant un multiplicateur de 245% et une jauge de recharge de 4 en auto-attaque. C'est l'art de soin de la classe qui va pouvoir sauver votre équipe plus d'une fois durant les combats au début de votre aventure. C'est un effet de zone, il vous faudra donc être à proximité de vos alliés pour les soigner, sinon vous l'utiliserez pour rien. C'est un art qui ne possède pas d'autres spécificités autres que son soin, pas d'handicap ou description spéciale, juste un soin qui peut sauver certains membres de votre équipe. Il possède cependant un multiplicateur intéressant, il est donc bien à utiliser et à mettre dans votre palette d'arts. Le troisième art est Silhouette Brumeuse. C'est un champ d'effet, en effet de zone par le lanceur, qui ne possède pas de multiplicateur, et ayant une des toutes petites jauges de recharge de la classe puisqu'elle est de 3 en auto-attaque. C'est un art qui applique le soutien esquive augmentée en tant que champ d'effet, et qui donne une vaste étendue au champ d'effet sur le terrain. J'ai parlé des arts pouvant synergiser, le voici, c'est l'art qui va permettre d'avoir un Zephyr ou Paladin opti au mieux, puisque si votre Paladin possède l'hostilité, et se trouve dans par exemple 3 zones d'esquive augmentées, alors vous serez tranquille le temps qu'elle soit active puisque ça va encore venir s'additionner au stade d'agilité très élevé des protecteurs agilité. Un Arignus possédant une très petite jauge de recharge qui plus est, qui rend son utilisation fréquente et l'apparition des zones sur le terrain régulière. Silhouette Brumeuse fait partie des meilleurs arts de tacticien. Les champs d'effet dans ce jeu sont forts puisque c'est comme recevoir un soutien qui peut être surmultiplié. C'est vraiment l'art qui permet de rendre tacticien utile en fin de jeu avec des compositions basées entièrement sur l'agilité de tout le monde. Mais comme je l'ai dit, il est nécessaire de créer la composition pour que cela reste viable au maximum. Le quatrième art est Aigle Vengeur. C'est une attaque d'éther, en effet de zone avant,
ayant un multiplicateur élevé de 310%, et est le dernier Arts ayant une des petites jauges de recharge de la classe qui est de 3 en auto-attaque. C'est un Arts qui peut appliquer l'handicap esquive diminuée à l'adversaire s'il est placé. Son effet de zone avant rend l'art intéressant, ainsi que son grand multiplicateur, puisqu'il peut permettre de remplacer au déchaîné par cet art selon la situation. Si un combat se fait contre de nombreux ennemis, c'est l'art qui peut servir de remplaçant, étant donné que l'un est en cible unique, et l'autre en effet de zone avant. Avec évidemment un handicap qui ici ne va pas vraiment servir, à part pour la classe de jaguar cuirassé, qui requiert de toucher l'ennemi. C'est un art qui peut être ajouté si vous n'avez pas besoin de soins et voulez quand même jouer la classe de tacticien. Puisque son multiplicateur reste quand même assez intéressant et donc peut permettre de remplacer cieux orageux ou silhouette brumeuse si vous voulez juste taper avec cette classe. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec cet art, même si personnellement je ne l'utilise pas étant donné que je préfère garder mon soin et mon champ d'effet dans ma palette. Et le dernier art qui est lui sombre étendard, c'est une attaque d'éther, en effet de zone avant, avec un multiplicateur de 165% et une jauge de recharge de 5 en auto-attaque. C'est un art qui peut appliquer l'handicap sommeil à l'ennemi. C'est un art ayant une jauge de recharge énorme, un multiplicateur très petit et qui permet d'appliquer un handicap pas très intéressant. Je ne place pas cet art que je considère très peu intéressant, sauf pour préparer des compositions basées sur les dégâts sur un monstre ayant l'handicap sommeil. Cependant, il faut pouvoir placer cet handicap sur l'adversaire, ce qui peut être compliqué et peut être vite perdu si un allié fait une auto-attaque avant que vous n'ayez le temps de tous les rassembler. C'est donc un art que je déconseille d'avoir dans votre palette, puisqu'il n'est pas utile sauf dans certaines conditions très rares et difficiles à placer. Maintenant pour les compétences de tacticien qui peuvent être quand même assez surprenantes vis-à-vis de la classe. La première compétence est habilité éthérée. C'est une compétence qui augmente de 50% les dégâts infligés par les arts d'éther. Elle est étonnante pour un soigneur puisqu'elle est là uniquement pour augmenter l'attaque pour les arts d'éther. Une compétence qui permet de mettre en prio des arts ayant de grands multiplicateurs de dégâts d'attaque d'éther, ce qui est évidemment trouvable assez facilement sur la classe. Avec les bons arts maîtres, cela permet d'avoir un tacticien qui peut mal attaquer et faire assez mal et se passer de ses arts de soins comme je l'ai déjà dit. Une première compé forte et étonnante qui est en plus de ça, une compétence maître qui est débloquable en rang 5 de la classe. Compé maître qui est très utile pour des classes d'attaque utilisant de l'éther et nécessitant toujours plus d'augmentation de dégâts d'attaque d'éther. La seconde compétence est brise bouclier. Une compé qui augmente de 100% les chances de rendre l'attaque imparable. C'est une compé qui permet en gros de ne pas se faire parer son attaque mais avec un taux de 100%. Encore une compétence super forte de la classe qui permet d'utiliser des arts de soins nécessitant de faire des dégâts. Si les attaques sont imparables et que l'art soigne en fonction de l'attaque et du soin, alors à moins de louper l'attaque par manque de dextérité, ce qui est rarement le cas chez Tayon grâce à ses stats nativement très élevées chez lui, alors c'est un soin quasiment gratuit. Ce n'est hélas pas une compétence maître qui aurait rendu certaines classes encore plus craquées, mais elle fait très bien le boulot pour tacticien et ce n'est toujours pas une compé de soin. La troisième compétence est Malédiction éternelle. Une compétence qui prolonge de 50% le minuteur de durée des handicaps affectant les ennemis. C'est évidemment fort quand Tayon place des handicaps à l'ennemi, cependant en termes de durée, les handicaps ne durent relativement que très peu de temps contrairement aux soutiens qui eux durent très longtemps. Si vous utilisez tacticien comme classe pouvant provoquer des handicaps, ça peut servir avec les bonnes gemmes, autrement elle n'est pas utile. La classe aura dans tous les cas un minimum d'au moins un art pouvant infliger un handicap, elle est donc quand même utile si ça arrive durant un combat. Elle n'est pas cependant incroyable, mais peut toujours servir dans certains cas et certaines compos axées handicap ennemi. La dernière compétence est esquive inéluctable. Augmente de 10% les chances d'esquiver une attaque ennemie. C'est pratique, ça permet d'esquiver, même si le taux d'esquive n'est pas très élevé, ça peut toujours sauver la mise sur un coup de chance. C'est aussi une compétence maître qui est elle, celle du rang 15 de la classe, ça peut toujours servir pour des classes d'agilité aussi. Comme à chaque fois, je fais un petit tour sur les compétences, celles de tacticien surtout, deux sont intéressantes, donc habilité éthérée et brise bouclier pour faire mal, mais dans sa globalité, les compétences sont correctes sans non plus être incroyables, et oui c'est un soigneur qui ne possède pas de compétences de soins. Et la dernière grosse partie sur le guide pour tacticien, celle des gemmes, accessoires, arts et compétences maîtres comme à chaque fois. Comme d'habitude, je commence par les gemmes avec ma première gemme qui est porteur de vie pour augmenter ma régénération native. Je n'ai pas besoin d'expliquer son fonctionnement, c'est un soigneur avec des arts de soins, j'augmente le soin. J'ai ensuite mis double attaque pour augmenter les chances de frapper deux fois à chaque auto-attaque pour ainsi monter vite mes recharges d'arts. Puisque c'est une classe avec de petites jauges de recharge, je profite de pouvoir recharger rapidement mes arts.
Et bénédiction croissante pour les soutiens générés par soi-même. J'ai mis 7 gemmes pour un soutien d'esquive augmenté. Ça me permet d'augmenter encore plus la puissance du soutien, ce qui n'est pas plus mal pour mes compos. Vous pouvez aussi mettre la gemme bénédiction épurée pour faire durer les soutiens à la place de bénédiction croissante. Et aussi remplacer double attaque par frappe ferme ou juste mettre frappe ferme à la place de bénédiction croissante. Les gemmes sont remplacées selon comment vous allez utiliser votre tacticien durant les combats. Si vous utilisez évidemment au maximum ses handicaps, alors malédiction croissante et incantation épurée sont les gemmes qu'il vous faut. Malédiction pour augmenter l'effet des handicaps, mais surtout incantation pour augmenter encore le temps du minuteur des handicaps. Ça s'additionne avec la compétence native de la classe, donc pratique au cas où pour faire 50% plus 50% de minuteur sur les handicaps à placer. Pour les accessoires, ça devrait aller assez vite puisque les soigneurs restent assez simples sur les accessoires les plus optimisés à placer. J'ai mis anneau solaire pour augmenter de 40% le soin, avec broche de fraternité pour la recharge quand l'ennemi cible un autre rôle qu'un protecteur, et le collier immaculé pour augmenter de 22% les PV régénérés en utilisant des arts de soin. Le souci des handicaps étant qu'il n'existe des accessoires que pour deux d'entre eux, ce qui limite le choix pour une classe comme celle de Tayon. Je mets en priorité des accessoires de recharge d'arts et de soins pour le coup, mais pour tout ce qui est faire des dégâts, partir sur des accessoires d'augmentation d'attaque et profiter des dégâts des attaques d'éther marche aussi. Je passe très vite sur les accessoires parce que forcément c'est compliqué de mettre des améliorations d'handicap, et du coup, maintenant pour les arts maîtres que je recommande. Tous les arts de combo, puisque tacticien est une classe d'Agnus, vous aurez donc la possibilité de mettre retour en arrière, coup de bouclier, vol des 1000 lames pour préparer vos combos. Et évidemment, vu que c'est une classe d'Agnus, en termes d'arts maîtres de soins, vous allez être assez limité. Je recommande donc de mettre canon à éther de artilleur soigneur avec eau déchaînée pour profiter d'une des plus grosses attaques de fusion d'arts possible. Même si sa jauge de recharge est très élevée, l'avoir comme fusion d'arts avec eau déchaînée est la chose la plus intéressante à faire ici. Vous pouvez très bien aussi mettre l'art d'hébétement de artilleur si c'est le combo que vous cherchez à faire en finissant par explosion, même si je conseille les combos d'éjection puis commotion de par leur puissance. Pour les autres arts maîtres, vous pouvez mettre ceux de médecin de guerre avec tout d'abord multi-explosion pour soigner les alliés à proximité quand un art touche l'ennemi ayant un maximum de 100% du soin. Ça permet, comme si orageux, d'avoir un soin à portée de main qui peut sauver la vie, même si sa recharge est énorme puisqu'elle est de 22 secondes. Et si vous ne possédez pas d'autres champs d'effet ou la compétence permettant de pouvoir en placer un en plus dans votre palette, recharge améliorée qui permet de placer un champ d'effet de défense augmentée. Ça permet d'avoir un champ d'effet d'esquive et une augmentation de défense en simultané sur le terrain. Ça peut être pratique en cas de problème. Utilisez votre tacticien comme classe pouvant impliquer des handicaps, l'art Croix du Tyran de Machine à tuer peut servir puisqu'il inflige un handicap aléatoire à l'ennemi quand un art le touche. Avec l'ajout de la compétence qui améliore le minuteur, ça peut toujours servir et ça marche bien si c'est appliqué. Et pour finir, les compétences maîtres recommandées pour tacticien. Je n'ai plus besoin de la présenter, mais j'ai mis Fierté Protectrice pour la vitesse de recharge des arts, même si elle n'est pas nécessaire avec des protecteurs agilité dans votre équipe. Tactique fortifiante pour prolonger la durée des soutiens générés par soi-même, la fameuse brochette classique du soutien pour les soigneurs, et savoir curatif qui lui augmente de 30% les PV régénérés en utilisant des arts de soins. Lui me sert surtout à boost mes soins durant un combat pour éviter les catastrophes et avoir un soigneur efficace. Sinon, pour optimiser tout ça, vous pouvez aussi très bien mettre à la place, sans trop de difficultés, la compétence formation éternelle qui prolonge de 50% la durée des champs d'effet sur le terrain. C'est comme ça l'indique dans sa description, pour les champs d'effet, il n'y a pas mieux et vu que c'est une classe qui peut en placer, ça peut vraiment être utile. Soigneur furtif, qui peut permettre de réduire l'hostilité par les arts de soins si nécessaire, durant le combat si votre tacticien prend l'attention sans faire exprès. La compétence océan fécond, pour augmenter les PV régénérés. Si ça n'a pas été placé, ça peut servir pour un soigneur pur. Et évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, la compétence soutien spécialisé pour augmenter de 1 le nombre d'arts avec champ d'effet sur le terrain assignable sur la palette des arts. C'est la compé maître qui va permettre d'obtenir un double champ d'effet, donc celui d'esquive et celui de défense sur le terrain si nécessaire. Évidemment, il n'y a pas de compétence pour augmenter l'effet des arts à handicap, il faudra donc viser les compés de recherche d'arts et de soins. Tacticien est une classe de soigneur pouvant être très bien soigneur ou permettant d'appliquer des handicaps selon comment elle est optimisée. En combat, vous pouvez vous en servir en tant que soigneur efficace puisque ses arts se rechargent assez rapidement grâce au fait que c'est une classe d'Agnus. Une qualité qui est aussi un défaut puisque cela limite le nombre d'arts maîtres intéressants pour un soigneur plaçable. Faites-vous plaisir dans l'optimisation de votre tacticien, même si je vous recommande de l'utiliser comme un outil de champ d'effet d'esquive. Ce qui termine le guide de tacticien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bien évidemment.
Je laisse en description le Xenoseries France et mon Twitch, comme à chaque fois. Le prochain guide sera sur l'une des classes considérées comme la plus terrible et mauvaise de Xenoblade 3, mais qui peut tout de même être assez bien optimisée, qui est la classe de Gardien Lourd. Et bien évidemment, je vous souhaite de créer un pro des origamis qui soigne toute son équipe avec du jus de papier.